Bonsoir à tous, donc émission Radar, radio anarchiste diffusée à République, numéro 10 donc, on est le 30 mars 2017, demain c'est un anniversaire que tout le monde attend, alors c'est pas du tout l'anniversaire des Nuits Debout, c'est l'anniversaire des 465 tonnes d'un générateur de vapeur qui s'est effondré dans le réacteur numéro 2 de la centrale nucléaire de Paluel en Normandie et qui a fendu le bloc réacteur, ce qui fait que ce réacteur est définitivement hors service. Et aucun des candidats aux déchéances présidentielles, bien sûr, n'évoquera cet anniversaire, parce que c'est sûr, le nucléaire n'intéresse strictement personne et n'a rien à voir avec notre santé ou celle de nos enfants. Et voilà, et donc je passe la parole à Pierre Merechkowski. Je passe la parole à Pierre Merechkowski pour le feuilleton. Ouais, alors, en fait, c'est plus le feuilleton. Aujourd'hui, c'est une ode à notre ami et camarade, enfin ami. Disons, c'est une ode à Jean-Luc Mélenchon. Voilà, ce texte lui est dédié. PM, ici c'est Bucarest. Ici c'est Bucarest. Ici c'est Bucarest. La maison du père de Vera. Le père de Vera était ingénieur sous les Ceausescu. Il a été obligé de mentir pour donner du lait à sa fille Vera. Il faisait la queue à 3h du matin tous les jours et il s'est passé quelque chose de grave, quelque chose à cacher et il a menti. Les paysans à cette époque étaient traités comme des bêtes, pire que des bêtes, puisque pour les vieux croyants, le cheval était plus sacré que l'homme. Alors, la garde de fer avait cru en l'alliance avec le Parti communiste. Il s'était dit que cette alliance, en mettant à la porte les juifs assassins du Christ et la lèpre tzigane, il pourrait permettre à la chrétienté orthodoxe de libérer la Roumanie des étrangers et de redonner ainsi une fonction sacrée aux paysans. Et il ne comprenait pas pourquoi Ceausescu les avait emprisonnés en 1945, alors que dans les années 30, c'était l'alliance de la garde de fer des bolcheviks et des bolcheviks qui avait permis la reconnaissance de la Roumanie. Alors je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Le père de Vera était contraint de mentir pour donner du lait à sa fille lorsqu'elle était enfant. Il n'était pas nationaliste. Il ne voulait pas avancer masqué, mais il s'est renié devant les membres de la commission d'attribution des logements. Vera est partie aux États-Unis et peut-être que je me trompe. J'ai tout inventé, je ne sais pas. Les internationalistes ont manipulé les nationalistes pour devenir à leur tour nationalistes puisque l'URSS n'a jamais eu de base en Roumanie. Et maintenant, miné par le remords, par les mensonges, par la solitude, le père de Vera, qui s'appelle aussi Jean-Luc, s'est muré à jamais dans le silence et dans la maladie d'Alzheimer. Puis, arrêt du bus, lumière, puis sous la lampadière. Shimon a participé au mouvement du 22 mars avec Rivlin et Cohn-Bendit. Ensuite, je ne sais pas ce qu'il a fait. Il a eu un logement social au-dessus du local de la CFDT. Je me fous de son logement social au-dessus du local de la CFDT. Là n'est pas la question. Il m'a dit la grave erreur que nous avons eue tous est de croire que l'homme, le peuple, est sacré, puisque le peuple est dépositeur du savoir universel, c'est-à-dire celui qui relie le cœur de l'homme à la nature, à Dieu. Nous sommes tous Dieu, n'est-ce pas? Et en fait, l'homme est mauvais. Nous avons menti. Les trois mensonges de ma vie, a précisé Shimon. Un temps. Pour cette raison, Shimon, puisque tu as renoncé à croire, je décide de t'exclure de la communauté juive et j'exclus également le président gérant de la société d'auteurs qui, en niant son passé de trotskiste, a renoncé à croire et qui tente de nous rassurer en nous révélant que sa nièce exerce la profession de gérante d'un débit de boisson qui a fixé à 1,50€ le prix du café en terrasse. Eh bien, je te remercie, Pierre. Bonsoir, messieurs, dames. Donc, ce texte s'intitule Ode à Jean-Luc Mélenchon. Donc, c'était Ode à Jean-Luc Mélenchon. Moi, je dirais à la limite que l'on soit protégé de cette garde de fer. Il y a des choses que j'ai lues là récemment et j'ai eu le plaisir aussi de lire et d'entendre une amie qui a été interviewée par Radio-Canada. Et c'est assez étonnant d'avoir un point de vue sur le nucléaire en français qui est exprimé sur une radio canadienne parce que en fin de compte ce qu'elle a dit par rapport à la catastrophe de Fukushima qui intéresse en premier chef tous les Français vu qu'on est avec la Corée un des pays les plus nucléarisés par tête d'habitants,
est essentiel. Donc cette femme, c'est Cécile Assanouma Brice, qui est une chercheure associée à l'Université de Lille, et elle est aussi adjointe au directeur du bureau CNRS dans l'Asie du Nord. Voilà. Et voilà ce qu'elle dit. Elle dit « Ce n'est pas une catastrophe nucléaire », bien sûr en parlant de Fukushima, « Ce n'est pas une catastrophe nucléaire, c'en est une sans fin. C'est une multitude de catastrophes qui s'accrochent les unes aux autres. » Et effectivement, la catastrophe nucléaire n'est pas une catastrophe, parce que toute autre catastrophe naturelle voit ses effets mortifères s'amoindrir avec le temps. La catastrophe nucléaire, non seulement elle est perpétuelle, mais ses effets vont en augmentant plus le départ initial de la catastrophe s'éloigne. Donc c'est complètement l'inverse des catastrophes classiques. C'est une catastrophe qui se développe. Elle est vivante à travers les radionucléides. Et là, nous avons Pierre Merechkowski qui interroge son téléphone. Et donc, on entend en direct ce qu'il raconte sur son téléphone, vu qu'il est sur le Bluetooth. C'est assez étonnant. Donc, je vais baisser le son pour qu'on n'entende pas quand même ces conversations privées. Donc, pour en revenir à Fukushima et au nucléaire, il y a autre chose qui m'a fait réellement frémir, parce que j'ai lu, on sait tous qu'il y a eu courant janvier des radionucléides artificiels qui ont été repérés au-dessus de l'Europe, qu'il y avait un avion militaire d'ailleurs qui a fait des mesures, mais que dans les médias on n'en a quasiment pas parlé. Et donc la CRIRAD a été plus loin dans le sujet. Ils avaient fait un communiqué du 14 mars qui franchement ne m'avait pas convaincu, dans le sens qu'ils en étaient plus à condamner les spéculations des gens qui avaient peur de l'origine de ces radionucléides, et qui disaient que de toute manière, même si les conditions météo effectivement pouvaient augmenter les doses mesurées, elles n'étaient pas responsables de la dispersion des radionucléides. Et là, heureusement, par rapport à ce qui s'est passé au réacteur expérimental de Halden en Norvège, la CRIRAD a rectifié le tir. Alors, elle a complété son communiqué le 24 et le 29 mars 2017. Donc, le dernier complément s'est fait hier. Et voilà la chose extrêmement inquiétante que je tenais à vous dire. Donc, je cite le document PDF de la CRIRAD. La NRPA, donc la NRPA, c'est l'Agence de sûreté nucléaire norvégienne, la NRPA a indiqué à la CRIRAD que les rejets gaz rares et de tritium, donc ce sont des isotopes, le tritium c'est un isotope de l'hydrogène, n'avait pas été mentionné dans le communiqué du NRPA, donc de l'agence norvégienne de sûreté nucléaire, du 25 octobre 2016. Donc ils ont oublié de mentionner les rejets de gaz rares et de tritium. Mais alors attention, c'est là où ça devient tragiquement drôle, car ce sont les rejets de diodes qui ont l'impact sanitaire le plus important. Donc déjà, cette agence de sûreté nucléaire, elle remplace l'OMS, et tout à coup, elle décide que ce sont les rejets de diodes qui sont dangereux pour la santé. Et aussi, afin de ne pas compliquer la communication auprès du grand public. Donc, si la NRPA, si l'agence de sûreté nucléaire norvégienne, a omis de parler des gaz rares et du tritium rejetés en octobre 2016, c'était pour ne pas compliquer la communication. Mais alors attention, on atteint des sommets. Alors, il ne faut pas compliquer la communication par un trop grand nombre de données. Et alors, qu'est-ce que répond la CRIRAD ? La CRIRAD déplore ce manque de transparence. Donc, on déplore un manque de transparence. Alors, effectivement, les radionucléides sont complètement invisibles. Ils sont vraiment très transparents. Le nucléaire, c'est glasnost partout et à tous les étages. D'autant que 99,99% des rejets radioactifs sont composés de gaz rares et de tritium. Donc, on voit bien que ce qui s'est passé en octobre 2016 à Halden sur le réacteur expérimental a un impact 99,99% fois plus grand que les rejets de diodes déclarés. On peut déjà se dire que les rejets de diodes déclarés par une agence de sûreté nationale du nucléaire peuvent être eux-mêmes entachés de quelques accommodements, mais alors là, franchement,
c'est extrêmement grave. Et pourquoi est-ce que ça a fait l'objet juste d'un PDF que, je dirais, la personne avertie va aller rechercher sur le site de la CRIRAD parce qu'il n'est pas en première page? Tout simplement parce qu'actuellement, on est en plein dans les déchéances pestilentielles. Il ne faudrait pas parler des sujets qui fassent. Il ne faudrait pas parler de la santé des gens. Et quand on sait que ce sont les faibles doses, je dis bien faibles, qui sont les plus dangereuses au niveau sanitaire, eh bien, on est là vraiment dans un criminel mensonge. Et aujourd'hui, oui, je le dis, on n'est pas en train de répandre des rumeurs. Aujourd'hui, de manière quotidienne, en Europe, on rejette des radionucléides artificiels qui vont avoir une influence mortifère sur la santé de l'ensemble de la population. Et ça se passe dans l'omerta criminelle la plus grande. Voilà. Donc, moi, je pense que on va essayer d'interroger notre ami Eric Pététain. Donc, je vais demander à Pierre d'appeler Eric sur son portable, parce qu'aujourd'hui on a eu quand même une bonne nouvelle. 30 mars à 14h à la chambre d'appel d'Agen était rendu le verdict par rapport au procès qu'avait Eric Pététain, parce que Eric Pététain avait, en septembre 2015, il avait baptisé le maire d'Agen Jean Dionis avec une carafe d'eau au cours d'une réunion du conseil communautaire où les élus décidaient de bétonner des centaines d'hectares de terres agricoles pour fabriquer la technopole Agen-Garonne. Et donc Éric Pététain avait dit: nous avions l'intention de protester contre la stérilisation de ces terres, parce qu'effectivement, quand une terre agricole est bétonnée, elle a un rendement agricole qui est diminué et qui est extrêmement proche de zéro. Cette société est malade de ses excès, du toujours plus, de l'économie dominante, je dirais presque la finance dominante. Ça fait 50 ans que nous, les écologistes, on tire le signal d'alarme. Donc voilà. Donc, et je tiens à préciser quand même que l'avocat qui a défendu et obtenu la relaxe d'Éric Pététain, eh bien, a ajouté: un potager de 25 mètres carrés disparaît chaque seconde en France. Un potager de 25 mètres carrés disparaît chaque seconde en France. Et effectivement, on peut dire merci Bouygues, merci Vinci. Donc Pierre, est-ce que tu arrives à joindre Éric Pététain? Mais là, il y a David aussi qui voudrait lire un texte. Je vais lire un texte de David aussi. Oui. Et tu es en train d'appeler Éric. Bon, donc on va avoir Éric en direct. Tu lui dis bonjour, vas-y, prends la conversation. Ouais, c'est Mérège. Tu nous entends? Ouais. Allô, allô? Oui. C'est Mérège, oui. T'entends? Oui. Bon, alors... Donc, Éric, tu peux nous... Est-ce que tu peux nous parler de ta relaxe je sais que toi, tu n'étais pas sur place, mais par contre, tu as pris le verdict assez tard aujourd'hui. Donc, tu es relaxé par rapport à la carafe d'eau. Donc, on en est très content parce qu'on craignait de la prison ferme, on craignait une amende. Et en fin de compte, non, il y a relax. Donc, est-ce que tu peux nous en parler? Je n'en sais guère plus que vous. J'ai pas eu mon avocat encore au bout du fil et j'ai pas eu de compte-rendu de verdict dans la presse, mais effectivement je sais que je suis relaxé, donc ça c'est effectivement assez rare pour mériter d'être signalé, hein. Ça doit être la deuxième fois sur la quarantaine de procès que j'ai eu dans ma vie et je suis relaxé. Donc j'en suis ravi et puis ça me fait effectivement un souci en moins, parce que retrouver l'horreur carcérale, j'en avais aucune envie, bien sûr, après cette année 2016, difficile. Donc, est-ce que tu peux nous parler de la technopole à Agen-Garonne? Parce qu'en fin de compte, c'est le vrai fond du sujet, c'est pour ça que tu as retourné une carafe d'eau. Oui, bah oui, c'est un projet comme il y a dans plein de villes, dans plein d'endroits en Occident, chacun veut être le centre de l'Europe ou du monde même, pour les plus orgueilleux. Donc, ils veulent encore bétonner 200 hectares de terres agricoles très fertiles, même si elles sont souvent vouées à l'agriculture moderne et intensive. Mais bon, elles sont cassées quand même de la terre et qui va disparaître encore sous du béton et du goudron pour accélérer la folie de ce monde. Donc, on a essayé d'empêcher ça pendant un an et demi sur la zone d'Agen, mais là, on s'est fait expulser.
Et pour le moment, hélas, il n'y a plus beaucoup de résistance locale et les travaux ont démarré. Et donc là, tu es sur quel ZAD actuellement et qu'est-ce que vous faites? Et essaie de parler plus fort parce qu'on a l'enceinte amplifiée, mais il y a quand même beaucoup de bruit dans... Mais là, je suis ces temps-ci souvent avec ma fille Muriel sur la ZAD de Bordère, au nord de Tarbes. On est là depuis un an et demi. On est une dizaine, une quinzaine. Et il y a un beau réseau militant autour de nous qui nous appuie, qui nous soutient en nourriture, en morale, en prêt de tout genre, en dons. Enfin, et tu veux lancer un appel? Un bon petit soutien local et on a besoin bien sûr de jardiniers, de gens motivés pour vivre comme ça sur un terrain réquisitionné pour empêcher une usine de retraitement des déchets. Donc pour empêcher, construite par Vinci et gérée par Veolia, bien sûr, toujours les mêmes grosses boîtes qui veulent tout contrôler. Donc les gens qui sont vers la ZAD de Bordère... Sur cette petite ZAD depuis un an et demi, on défend 4 hectares de Pachamama. Donc tu appelles les gens à venir sur la ZAD de Bordère pour vous donner la main pour, et... Absolument, ah ouais. Oui, encore. Il y a une vue magnifique sur les Pyrénées. Hélas, on est entouré d'une zone industrielle et de champs de maïs pour la nourriture animale. Mais on défend quand même 4 hectares et puis on empêche un projet de merde. Parle fort, Eric. On empêche un projet de merde pour une société de plus en plus consommatrice et productrice de déchets, quoi. Par une surconsommation, enfin bon. Donc c'est raison importante pour empêcher cette usine. Et pour le moment, on a marqué des points et les travaux n'ont pas démarré. Là, on est maître du terrain pour, j'espère, très longtemps. Est-ce que tu penses que ta relaxe et le fait que vous soyez maître du terrain à Bordère est lié à une espèce de trêve des confiseurs par rapport à la période électorale qui prendra terme le 18 juin prochain? Peut-être, je pourrais... C'est difficile à savoir, mais bon, ça fait toujours plaisir que la justice, quand même, reconnaisse l'innocence des lanceurs d'alerte et donc approuve quelque part la véracité de leur geste, parce qu'il y a urgence écologique mondiale énorme. Je pense que les consciences s'éveillent, chez les magistrats aussi, comme... Eric, excuse-moi, est-ce que tu peux parler plus... sur des magistrats plus ouverts. Je ne peux pas parler plus fort, mais c'est le vierge. Mais en fait, c'est peut-être dû aussi à l'élection présidentielle et au fait que comme ça fait moins de vagues. C'est possible aussi que je bénéficie de cette trêve. On verra les autres procès. Qu'est-ce que tu penses de l'assassinat d'un père de famille de 56 ans là à Paris par des policiers soi-disant de la brigade anticriminalité? J'ai vu ça, oui, c'est horrible, c'est inquiétant, très très inquiétant. Ouais. C'est une violence policière de plus, inadmissible, puisqu'il y a la mort d'un homme. Est-ce que tu sais que le parquet de Paris a porté plainte pour homicide volontaire contre la victime? Ah bon? Oui, contre la victime. J'ai lu ça dans le Parisien aujourd'hui. C'est normal, les morts sont toujours coupables. C'est quoi, je vais dire? C'est la réalité. Sinon, ils seraient vivants. S'ils n'étaient pas coupables, ils seraient vivants. Ou t'es coupable et t'es mort, ou t'es innocent et t'es vivant. Donc ça veut dire que les morts sont toujours coupables. Enfin, moi, ça me paraît. Si j'étais juge, c'est ce que je dirais. D'accord. Donc c'est encore plus horrible pour la famille, parce que moi j'ai écouté le témoignage de deux de ses filles, parce que j'ai lu dans la presse qu'il avait 5 filles, et que deux de ses filles ont malheureusement été témoins de son exécution par la BAC. Et là, effectivement, il serait temps que les Français se réveillent. Heureusement, l'ambassade de Chine a dit qu'elle n'admettait pas qu'on tue un de ses ressortissants de cette façon. Mais bien sûr. Moi, ce que je pense, c'est qu'on a actuellement comme Premier ministre l'ancien ministre de l'Intérieur, et que ce type est grandement responsable de l'impunité de ce qu'on ose encore appeler les forces de l'ordre, et qui sont des espèces de cow-boys qui disposent de la vie des citoyens. Et surtout, le préfet
de police de Paris, M. Michel Cadeau, qui lui aussi porte une énorme responsabilité vis-à-vis de ce qui s'est passé. Et là, on a, ils sont tous aux abonnés absents, là. Personne ne semble responsable. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je n'entends pas très très bien, excuse-moi, mais... Qu'est-ce que tu penses de l'impunité? C'est dur à entendre, quoi. Qu'est-ce que tu penses de l'impunité des responsables politiques par rapport à quelque chose d'aussi lamentable? Ça semble grave, oui, c'est grave, oui, parce que là, il y a manifestement un crime, une bavure évidente, et un, qui a entraîné la mort d'un homme, donc le système devrait être puni. Là, le policier devrait être puni. Bon, j'ai l'impression que c'est pas ce qui va se passer. Il faut vraiment parler plus fort parce que sinon on a du mal à te capter dans l'ambiance. Bon, bah, je vous embrasse très fort. Je te remercie, Eric. Je te fais un gros bisou. Yes. Mais, moi aussi. J'ai appris que Muriel avait plus de portable. Peut-être que la prochaine fois, on vous appellera tous les deux sur le portable. Ça fera plaisir aussi d'entendre Muriel aussi. Allez, on vous embrasse et courage. À 17. Merci. Salut. Ciao, ciao. No pasaran. No pasaran. Ciao, Eric. Donc voilà, on a eu en direct de la ZAD de Bordère Eric Pététain qui nous a parlé à la fois de sa relate, ce qui est quand même une très bonne nouvelle, vu que M. Jean Dionis avait eu quand même le bon sens de retirer sa plainte. Le parquet ne poursuit pas, mais là, ce qui est inquiétant, c'est que le parquet en France poursuit une victime de la police pour tentative d'assassinat sur un officier de police. Et parallèlement, l'inspection générale de la police a ouvert une enquête pour essayer de déterminer les conditions dans lesquelles ce père de famille de 56 ans a été abattu chez lui par des agents de la brigade anticriminalité. Enfin, ça fait bizarre de dire brigade anticriminalité parce que j'ai écouté le témoignage des deux filles qui ont assisté à l'assassinat de leur père et elles racontent que ça tambourinait à la porte, qu'à aucun moment ces gens se sont clairement identifiés comme étant de la police, que quand ils ont ouvert, ils étaient habillés en civil. Et ben moi, je suis désolé, des gens avec des armes à la main qui frappent à ma porte sans se présenter comme de la police, pour moi, ce sont des bandits. Et il est tout à fait normal que le père de famille ait une réaction épouvantée et se soit présenté à la porte avec ce qu'il avait à la main parce qu'il était en train d'éplucher un poisson, ses ciseaux. Ce qui est complètement anormal, c'est qu'il ait été abattu et qu'en plus, le parquet porte plainte contre lui. Moi, je trouve ça innommable. Je pense que le parquet devrait reculer, retirer sa plainte et qu'on devrait que les responsables, c'est-à-dire le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur et le préfet de police, fassent un sérieux examen de conscience parce que là, ils sont en train de mettre en péril la paix civile en France et c'est extrêmement grave. On peut pas parler de ces choses-là légèrement. Il y a mort d'homme et pour moi, c'est innommable d'estimer faire partie, malgré moi, d'un pays qui se comporte comme ça, dont la police se comporte comme ça vis-à-vis de ses habitants. Voilà, je ne sais pas ce que tu en penses, Bruno. Ce que j'en pense, mais ça ne m'étonne pas que la police, de toute façon, elle essaiera de se couvrir, en fait. Et tu sais que non seulement ils essaieront de se couvrir, mais ils couvriront leurs collègues. Parce que si jamais l'un admet qu'il a commis un crime, c'est tout le corps qui prend, en fait. Et donc tu penses, tu comprends cette espèce de solidarité Non, parce que je la comprends. Ah non. Selon leur logique, mais je ne l'appuie pas du tout. Et tu ne l'acceptes pas. Voilà. Tu la comprends, mais tu ne l'acceptes voilà, pas. Voilà. Non, mais je parle de leur logique à eux. Oui. De leur logique à eux. Chacun a sa logique. Alors, est-ce que tu ne crois pas que de la part des politiques, il y a cette même logique? C'est-à-dire, on couvre parce qu'on ne veut pas être éclaboussé. C'est-à-dire, le sang de l'innocent, on préfère qu'il retombe sur les chaussures de la famille plutôt que d'avouer une quelconque responsabilité. Moi, je pense que quand on en arrive là, j'ai l'impression qu'on est dans une embarcation que personne ne dirige, qui est portée au gré des flots. Et c'est extrêmement grave, c'est extrêmement inquiétant. On arrive au premier anniversaire d'une centrale
d'un réacteur qui visiblement ne fonctionnera plus jamais. Il n'y a pas de responsable. Je n'ai pas entendu que le préfet en Normandie avait convoqué en justice soit le responsable de la centrale ou le président d'EDF. Non, non, rien du tout. Alors que ça a un impact énorme sur la santé sanitaire et économique du pays. Et là, on a un citoyen qui est abattu chez lui, et pareil, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de responsable. Alors, il y a une chose que je voulais te dire, c'est que ça me rappelle ce que disait un poète espagnol. Souvent, celui qui fait du mal, il essaye de couvrir le mal, il essaye de le taire. Voilà ce que je voulais dire. Et il faut penser selon leur logique. Mais ça ne veut absolument pas dire que je suis d'accord. Au contraire, je crois qu'ils doivent être. Je crois qu'ils doivent être condamnés. Tu ne cautionnes pas. Non, je ne cautionne pas. Voilà. Et je crois qu'ils doivent être condamnés. Parce que. Tu as tout à fait raison. Pour moi, si tu es dans la police, ça veut dire que tu dois donner l'exemple d'honnêteté. Premièrement, si tu es dans la police, tu représentes la paix. Voilà. Tu es le gardien de la paix, c'est comme ça qu'on les appelle. Donc tu n'as aucune légitimité à tirer sur qui que ce soit pour te couvrir. Donc pour moi, là, il y a une bavure. Et on essaye d'étouffer ce qui s'est passé en chargeant le mort, effectivement. C'est normal, il ne peut plus se défendre. Je trouve ça infect. Et c'est dommage que les gardiens de la paix soient représentés sous cette forme-là. Voilà. Pierre, tu as une réaction par rapport à ça ? Oui, alors je voulais rebondir sur la notion de cautionnement. Voilà la question de qu'est-ce qu'on cautionne. Là, donc, il y a un texte qui est apparu que je dois lire, du GAGE, groupe anarchiste juif expérimental, l'un des membres du GAGE. Donc, je vais lire, ça prend 2-3 minutes. Hein. Donc, début du texte. En ces temps troublés, où peut éclore le plus fantastique comme le plus immonde, chacun fait ce qu'il croit devoir faire. Signé l'auteur anonyme du texte ci-dessous. C'est pas moi l'auteur. Paris Info Lutte Info a publié l'article Menu Militari pour un abordage inoclaste de la question martiale. À propos de cet article, quelques rapides remarques. L'article renvoie sur le site DDT21. Qu'importe de savoir à qui il appartient, il affiche une majorité de textes de gris d'Auvet. Ce négationniste d'ultra-gauche n'a jamais renié son engagement. Le DDT est un nom d'un insecticide notamment utilisé pour tuer les poux. Certains négationnistes ayant soutenu qu'on a gazé avec les poux, le sous-titre du site DDT21, douter de tout pour tenir l'essentiel, résonne assez clairement. L'article est publié en connaissance de cause et joint à cet article, la discussion est interne. La question se pose à tous lecteurs, contributeurs et modérateurs du site Paris Lutte Info. Pourquoi Paris Lutte Info cautionne-t-il le négationnisme ? Voilà. Bonsoir. Ah, bonjour. C'est très intéressant ce que tu viens de dire. Ce que je pense par rapport à ça, c'est que j'aurais plutôt tendance à citer Albert Einstein qui disait il y a pire que de faire le mal, c'est de le laisser faire. Et aujourd'hui on est dans le laisser faire. Surtout ne rien faire et laisser faire. Et donc, il y a pire que d'assassiner quelqu'un chez lui. Il y a demander au parquet de le poursuivre pour homicide vis-à-vis d'un policier. C'est extrêmement grave. C'est-à-dire non seulement on a laissé faire le mal, mais en plus on est en train de faire ce que disait Malcolm X. C'est-à-dire on est en train d'utiliser les médias et la puissance institutionnelle pour rendre coupable l'innocent. Et faire du coupable un innocent. C'est-à-dire, on atteint des degrés de perversion rarement atteints. Que des gens puissent encore cautionner l'idée que nous soyons dans un système démocratique est intellectuellement pire que malhonnête, c'est criminel. Quand on peut aller tuer chez lui une personne devant ses enfants, eh bien, on n'est plus en démocratie. Non. Il faut être très clair, nous ne sommes plus en démocratie. Mais pourquoi est-ce qu'ils nous bassinent et ils nous disent nous sommes en démocratie? Parce qu'ils veulent à tout prix que se tiennent ces putains de déchéances pestilentielles. Ils les veulent ces élections avec leurs petits nationalistes mélenchoniens, macroniens. Moi je dis maintenant, aujourd'hui il y a les macroncéphales.
La macroncéphalie, ça permet de transformer un petit trou du cul en un révolutionnaire 2.0. Et puis il y a la mélanchonite, c'est une autre maladie. La mélanchonite, c'est t'as les chevilles qui enflent, et en fin de compte, ça provoque des. Ça a pour effet secondaire une espèce d'agressivité, et puis on a l'insulte au bord des lèvres. Et bien c'est ça qu'on vit, c'est cette violence-là, c'est ce mépris permanent des gens, de leur vie et de leur pensée, qui est innommable et qui aboutit, en fin de compte, ce qui s'est passé avec cet assassinat, ce n'est que l'aboutissement de toute cette violence politique institutionnelle. Alors, nous avons un invité exceptionnel. Qui va se présenter ? Pas exceptionnel. Pour la situation. Oui, moi ce que je voulais dire, je partage pas forcément ce qui vient d'être dit, mais je voudrais donner un témoignage. Moi j'habite l'immeuble où il y a eu cet assassinat. J'ai été effectivement, suis venu au rassemblement Place de la République, qui était un rassemblement pacifique, qui paraît très important. Et je suis venu parce que je suis contre la peine de mort. Et à partir du moment où, depuis 1981, dans un état de droit, on a aboli la peine de mort, je ne comprends pas pourquoi un policier qui représente la force publique, la police, elle est là pour nous protéger, pas pour nous tuer. Et je ne comprends pas pourquoi des gens s'arrogent le droit de tuer. Donc aujourd'hui, c'est une situation complètement paradoxale. Je veux dire, il y a un voisin qui a appelé la police. On ne peut pas dire qu'on tapage nocturne, puisqu'il était 8h du soir. Il y a la police arrive et elle est. Elle ne dit pas qu'elle est la police. Elle dit simplement, elle tambourine à la porte, elle veut forcer l'ouverture, et elle se retrouve devant une famille. Et ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, la personne qui a tiré au cœur et a tiré pour tuer. Bon, et c'est ça qui est absolument paradoxal. Bon, dans la mesure où aujourd'hui, si il y a des gens qui font des actes délictueux, il y a des procédures. Et aujourd'hui, ce policier qui a tué, qui a assassiné, aujourd'hui, il est à l'hôpital parce qu'il faut qu'il prenne soin de lui parce qu'il a fait une grosse bêtise. Bon, c'est complètement. Et les enfants, ce père de famille avait 5 enfants. Alors, je veux dire, 5 enfants plus 2, ils habitaient à 7 dans un 3 pièces, ce qui n'est pas très grand. Et il se retrouve, il ouvre sa porte et il se retrouve devant quelqu'un qui est un assassin. Et qu'il soit blanc, jaune, noir, de toute façon, c'est complètement hallucinant de voir que des gens s'octroient de rétablir la peine de mort. Et actuellement, il y a un glissement législatif, il y a aussi un glissement dans les mentalités, ce qui explique probablement aussi cette montée du Front National en France. Et c'est ça, c'est un extrême danger, et c'est un événement d'une extrême gravité. Et la justice doit se saisir de ce dossier. Il ne faut pas que ça reste au niveau d'une enquête préliminaire, etc. Il faut qu'il y ait un juge d'instruction qui soit saisi et que soient engagées des poursuites contre ce tueur. Mais on a eu plusieurs affaires, malheureusement, antérieures à cet assassinat. On a eu quand même Rémi Fraisse, on a eu Adama Traoré, on a eu malheureusement d'autres citoyens qui ont été assassinés dans des conditions abjectes, parce que dans le cas de Rémi Fraisse, il faut bien se souvenir que la presse, dès le lendemain, a parlé et a dit que s'il était mort, c'est qu'il avait certainement des explosifs dans son sac, parce qu'une grenade n'aurait pas pu le tuer. Aujourd'hui, on sait qu'il avait non seulement les mains levées, qu'il n'avait zéro explosif dans son sac, mais qu'il tournait le dos et qu'il avait les mains levées quand il s'est pris la grenade. Pour ce qui est d'Adama Traoré, c'est un contrôle d'identité avec la police municipale qui vire à l'assassinat. Et là, carrément, la BAC, donc la brigade anticriminelle,
criminalité, qui se comportent comme des voyous, comme des bandits. Moi, j'ai écouté le témoignage de ces deux filles qui ont assisté à son meurtre. Elles disent on était effrayés dans la maison, ils tambourinaient à la porte, à aucun moment ils n'ont dit police, et mon père était en train d'éplucher les poissons, et donc il avait un ciseau, je crois, à la main. Il a été ouvrir alors qu'il avait peur, et sa fille lui a dit n'aie pas peur, papa, va ouvrir. Il a ouvert, et elle dit ils l'ont abattu sans sommation, il n'avait pas de brassard police. Et donc là, j'ai regardé ce témoignage vidéo qu'on peut trouver très facilement sur internet, j'espère qu'il va rester. Ce témoignage des deux filles, c'est une exécution. Et eux, dans la maison, ils croyaient que c'était des bandits, parce que ce sont des méthodes de bandits. Donc, il y a des responsables. Il y a Michel Cadot, qui est le préfet de police de Paris. Il y a notre actuel Premier ministre, qui a quand même été ministre de l'Intérieur, pendant que des centaines de Français se sont fait tuer, suite aux excellentes ventes d'armes de la France pendant l'année 2016. On a l'ensemble de la classe politique qui s'est radicalisée. On dit qu'on combat une radicalisation, mais on combat une radicalisation par une autre radicalisation. La violence n'engendre que la violence. Et je dis cet assassinat est une malheureuse suite logique de tout un fonctionnement actuel où on n'est plus dans le droit, on est dans la force, on est dans l'autoritarisme. Et je me souviens des paroles de Jean-Luc Mélenchon au moment de la mort de Rémi Fraisse. Il a parlé de la violence légitime. Et moi, je dis, il n'y a pas de violence légitime. On ne peut pas légitimer la violence d'où qu'elle vienne, même si elle vient des forces de l'ordre. Moi, je pense qu'il y a un problème de formation de la police. Je pense que la police, il faut qu'elle soit formée effectivement à des sports de combat. Il faut qu'elle soit désarmée, parce qu'on le constate, les armes tuent. Et dans les pays où il y a beaucoup d'armes, il y a beaucoup de meurtres. Et au contraire, dans les pays où la peine de mort est abolie, il y a moins de meurtres. Pourquoi ? Parce que dans un pays où la peine de mort est en cours, un type qui assassine une fois, il a tout intérêt à assassiner deux fois. Et donc, la peine de mort provoque des assassinats. Et ce qu'il faut que les Français sachent aussi, c'est qu'ils croient que la peine de mort a été abolie en France en 1981. Non ! Non, parce que les Français ont voté contre le projet de traité constitutionnel le 29 mai 2005 par référendum, et ils ont été contredits par l'Assemblée nationale en 2008, qui ont voté le traité de Lisbonne, qui est mot pour mot le projet de traité qu'ils avaient refusé le 29 mai 2005. Et dans ce projet de traité, il y a l'article 62 qui permet à tout pays membre de l'Union européenne de rétablir la peine de mort de manière discrétionnaire. Et on a aussi un député, M. Olivier Dassault, hein, qui fabrique les fameuses fraises Tagada, M. Olivier Dassault. Aucun conflit d'intérêt, parce qu'il a aussi son père Serge qui est sénateur. Donc on a des gens qui sont des élus de la République et qui vendent des armes. Et là, il faudra peut-être déposer une loi très rapidement pour dire « Tu vends des armes, t'en fabriques. Eh ben mon gars, tu peux pas être député, tu peux pas être sénateur, tu peux pas être maire. » Point barre. Il s'agit de conflits d'intérêts. Aujourd'hui, il y a tellement de conflits. Hein, les sociétés comme Halliburton, les sociétés comme Dassault n'ont pas leur mot à dire au niveau législatif. Et ça, le citoyen doit se réapproprier la politique. Aujourd'hui, on est otage de tous ces violents. Et ces violents ont des discours extrêmement violents. Parce que entendre quelqu'un dire qu'il y a une violence légitime suite à l'assassinat de Rémi Fraisse, eh bien aujourd'hui, de savoir que le parquet poursuit la victime pour tentative de meurtre sur un policier, c'est la réalité. Le parquet de Paris poursuit la victime. Aujourd'hui, votre voisin est poursuivi pour tentative de mort sur un policier. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, moi, je pense qu'il y a quelque chose de très paradoxal. C'est que dans la dernière période, et notamment après les événements de Charlie, il y a eu une évolution de la façon dont la population regardait la police. Et il y a eu, moi je me souviens, le 11 janvier, à la grande manifestation après les événements de Charlie, des phénomènes de fraternisation avec la police. Et quelque part, je trouvais que c'était intéressant parce que ça montrait que la police était là pour protéger et non pas pour tuer. Un événement comme celui-là va complètement à l'encontre de cette évolution. Alors, je pense qu'il y a plusieurs sujets derrière. Il y a probablement un sujet de formation. Deuxièmement, dans tous les films qu'on voit, les films policiers à la télévision, avant les interventions, les policiers ou les gendarmes mettent un brassard. Là, en l'occurrence, c'était des policiers en civil et ils n'avaient pas de brassard. Et effectivement, la personne assassinée a pu croire qu'il avait affaire à des brigands. Alors, en fait, effectivement, le tueur, c'est un brigand. Et on se retrouve dans une situation où il y a quand même une protection très très forte
des personnes qui font des actes qui sont des crimes, et qu'on peut s'étonner qu'aujourd'hui les pouvoirs publics aient simplement engagé une enquête interne, la police des polices, etc., mais qui en général sert plutôt à étouffer les affaires qu'à rendre les affaires compréhensibles. Donc il faut, dans une affaire de cette importance-là, où il y a mort d'homme, que soit ouverte une instruction et que la famille, effectivement, porte plainte en se portant partie civile, puisqu'ils ont été témoins de cet assassinat. Mais cette criminalisation de la victime, c'est-à-dire le fait que le parquet porte plainte pour homicide volontaire contre un policier. C'est-à-dire que là, moi, c'est pas quelque chose que j'invente, je l'ai lu dans le Parisien aujourd'hui. Il y a une plainte. Je l'ai lu aussi, mais effectivement, ça, c'est de la société du spectacle. C'est-à-dire que de toute façon, une plainte contre un mort, elle est classée. Elle ne peut pas aboutir. Bon. Mais c'est effectivement, c'est une façon de se défausser. Il n'y aura jamais une vérité alors. Non, il faut que la famille porte plainte, nommément, puisque c'est qu'ils soient identifiés. Ce qui serait intéressant aussi, c'est que j'ai vu un témoignage de la femme du monsieur qui a appelé la police. Ça serait intéressant que ce monsieur s'exprime, parce que on est quand même dans une situation où il y a quelqu'un qui a déclenché une descente de police. Et cette descente de police a mal tourné, et je pense qu'il doit être très très mal dans sa peau. Ah, oui. Et je pense que ça serait important qu'il apporte un témoignage sur pourquoi il a fait ça. Oui. Je ne sais pas s'il faut se prononcer, mais en tout cas, il a peur de sortir. Je ne sais pas ce qu'il y a eu mort. Je ne sais pas s'il va se montrer dans la rue. Déjà, merci, monsieur, de votre témoignage, parce que voilà, quoi, en plus. Quand on parle maintenant, il y a une liste qui se rallonge, hein, avec Adama, Théo, maintenant Monsieur Liu. Et voilà, quand il y a quelqu'un qui est plus proche, qui est voisin, ça permet aussi de. Voilà, c'est pas juste une liste, ça y est, où on va lever le point. C'est des gens, on parle d'humains, on parle de familles détruites. Mais je vais, parce que vous parliez de Charlie, la manif Charlie, et ça évolue. Non, ça évolue pas. Pour moi, tout ça, c'est un tout. Depuis longtemps déjà dans les banlieues, les flics ne respectent personne, les flics sont violents. Voilà, ça ne date pas d'hier. Ça s'est propagé avec l'état d'urgence. On les a transformés en cow-boys. Ils ne sont pas devenus tout seuls en cow-boys. Ce n'est pas du jour au lendemain ou comme ça, d'un seul coup, ils ont décidé entre eux que c'est trop bien d'avoir une arme. La façon de les entraîner, de les manager, etc., forcément les a conduits à ça. Alors, on l'a vu dans les manifs, comment ils traitent les gens. On connaît leur violence en manif, en banlieue. Voilà, maintenant, ils montent d'un cran, ils rentrent dans les gens juste pour chez les gens, juste pour des histoires de voisinage, et maintenant aussi ils peuvent tirer. C'est-à-dire qu'on monte d'un cran à chaque fois. Et à chaque fois, c'est le policier qui a raison, et à chaque fois, il y a mensonge, et à chaque fois, il y a la famille qui rame derrière, quoi, parce qu'il y a des gens, c'est depuis 92, 87, etc. Et la vérité éclate jamais. Et voilà, est-ce qu'il faut attendre qu'il y ait un bon père de famille bourgeois qui habite côté opéra, qui se fait éclater la tête par un flic aussi, pour que tout le monde se sente vraiment concerné? Et donc, pour moi, c'est une violence d'État, une violence qui est faite, qui est une violence dans le monde occidental qui monte. Ils ont appris des techniques, ils se surarment, etc., que ce soit en Europe ou aux États-Unis, parce que, mais c'est économique. Comme on va dans le mur, comme il y a crise, vous pouvez passer. voilà, il faut que le petit peuple se tienne bien tranquille. Et ils savent très bien qu'il y aura des montées, que les gens ne vont pas finir par rester tranquilles et que ça va être violent. Donc eux, ils sont déjà prêts. Eux sont déjà prêts, les grands. Voilà. Et donc, voilà, cette violence d'État, elle est travaillée. Ils avaient déjà réagi bien avant l'État en disant « Mais comment un flic peut tirer comme ça ?» Regardez le terrorisme. Maintenant, un gars chope une mitraillette sur les sentinelles, là, les militaires, à Gare du Nord, je ne sais plus où c'était. Voilà, il était peut-être fou, le gars, et machin, mais c'est... Ça m'étonnerait qu'il monte un coup terroriste de cette manière-là. Il chope une mitraillette comme ça, mais il ne cherche pas. On tue. Et personne ne dit dans les médias nulle part que
ce n'est pas normal d'avoir tué direct. C'est-à-dire que maintenant, de toute façon, si on te soupçonne un peu de terrorisme, si tu es un peu basané, c'est normal. Donc maintenant, ça va être normal aussi parce que tu tiens un ciseau à la main, demain parce que tu as un coupon. Voilà quoi. Moi, je pense que c'est établi, c'est fait exprès. Moi, je voudrais dire quelque chose qui m'est arrivé personnellement, mais je voudrais expliquer pourquoi j'en parle. Aujourd'hui, en France, la peine de mort, effectivement, n'est pas abolie. Et les principales tueries, c'est les automobilistes. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est au volant, qui a bu ou pas, et ben quelque part, il y a 10 000 morts en France par an par des gens qui ont un permis de conduire et quelque part aussi avec le permis de tuer. Moi, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée. Alors, c'est au siècle dernier, c'était dans un jardin du Butte-Chaumont, en l'occurrence, dans le 19e arrondissement. Et j'ai été renversé par une voiture dans un endroit où les voitures n'ont pas le droit de circuler. J'ai porté plainte. Et bien, la plainte a été classée sans suite. Pourquoi ? Parce que la personne qui conduisait la voiture, c'était un policier. Et donc, alors j'ai été indemnisé sur le plan civil, etc., par les assurances. Mais être renversé par une voiture dont le conducteur est un policier, eh ben, ses collègues ont classé sans suite. C'est très important ce que vous êtes en train de dire, parce qu'on a posé le problème de l'impunité. C'est-à-dire que l'impunité... Je suis tout à fait d'accord avec Claude. L'impunité, c'est pas un phénomène qui nous tombe dessus comme ça. L'impunité, c'est un phénomène construit. Il faut bien voir qu'en France, depuis des décennies, c'est-à-dire c'est pas d'hier, depuis des décennies, si tu es d'origine nord-africaine, si tu es d'origine africaine, si tu es asiatique, si tu n'es pas le petit blanc de base, eh bien, il y a une espèce de passe-droit pour la police qui est de pouvoir te frictionner les oreilles, de pouvoir t'insulter, hein, de pouvoir te traiter ou de melon ou de bougnoule, ou de bamboula, comme si c'était quelque chose de complètement normal. Et cette violence-là, c'est la violence, je dirais, des anciens empires coloniaux. C'est-à-dire qu'on est sur le reliquat de fonctionnement politique qui ne date même pas du siècle dernier, qui date du siècle d'avant, du 19e siècle. Parce qu'il faut bien voir que la colonisation de l'Algérie, c'était 1833, si je ne me trompe. Donc on est, au niveau de l'État, c'est la Kante, des fossiles vivants. Moi, quand je vois Macron, on peut croire qu'il est jeune, c'est un fossile vivant. C'est-à-dire, j'ai l'impression de voir Thiers ou de voir l'autre. Quand je vois Mélenchon, pareil, c'est un fossile vivant. Ces gens-là ont un fonctionnement spirituel, ont un fonctionnement sémantique, ont un fonctionnement politique totalement archaïque. C'est-à-dire, pour moi, ce sont effectivement des fossiles vivants. C'est-à-dire, ils en sont encore à « il y a une violence acceptable ». Et moi, je crois qu'on a la société a profondément changé. Et c'est ce changement, c'est cette différence, c'est ce différentiel qu'il y a maintenant entre la population et les gens censés la protéger et la diriger, qui est le phénomène peut-être le plus inquiétant. Parce qu'il s'est passé la même chose dans beaucoup de pays. Et qu'est-ce qu'on a vu en Algérie ? On a vu que tous les intellectuels ont été éliminés. C'est-à-dire que les gens qui lisent des livres sont dangereux. Ils sont dangereux pour tous les gens qui ne lisent pas de livres. Et on voit bien qu'on essaye de tirer la société vers le bas, de l'uniformiser et de lui faire prendre, oui, des vessies pour des lanternes. C'est-à-dire, je dis souvent, on essaie de lui faire prendre des vessies rétrogrades pour des lanternes progressistes. Moi, quand j'entends quelqu'un me dire que le travailleur détaché au sein de l'Union européenne représente un danger pour le travailleur national, eh bien, moi, je vois des idées extrêmement rétrogrades d'une politique que je croyais réservée à une frange bien particulière, nationaliste et cocardière. Et non, cette personne qui dit ça est quand même le leader, il le dit lui-même, autoproclamé, soi-disant de la gauche. Moi, j'appelle ça plutôt la glauque. Aujourd'hui, il n'y a comme personne à briguer, justement, qui veulent remplacer les criminels actuels.
que des gens qui sont pareils dans la violence vis-à-vis du peuple. Ce sont des gens qui ont peur du peuple. Ils prétendent faire partie du peuple, mais ils ne font pas partie du peuple. Aujourd'hui, le peuple français, il veut quoi? Il veut qu'on lui foute la paix, mais au sens, dans tous les sens du terme. Il aimerait pouvoir faire en sorte d'être chez lui sans que des gens viennent frapper à sa porte armée et le descendre sur son palier. Il aimerait pouvoir se promener dans la rue sans qu'on lui demande ses papiers. Il n'y a qu'en France où une personne ne commet pas de délit et des policiers peuvent se diriger vers cette personne et faire « Vos papiers s'il vous plaît ». Ben non, non. Moi j'estime que dans un pays, dans une démocratie, quand une personne ne déroge pas à la loi, eh bien les représentants des forces de l'ordre n'ont pas à lui demander ses papiers. On ne demande les papiers à quelqu'un que quand cette personne se comporte mal, soit elle pisse sur le trottoir, elle crache sur les passants, voilà, quand elle déroge aux règles et à la loi. Mais quand cette personne se comporte comme un citoyen, on n'a pas à lui demander ses papiers. Et c'est ça, c'est ce changement de mentalité qui doit s'opérer. Et on ne voit aucun candidat qui parle de ça. Non, au contraire, on parle de rétablissement de l'autorité. Et ce sont les pires voleurs qui en parlent. Il ne faut pas oublier quand même que Sarkozy était candidat avant de se faire bouler. Et qu'est-ce qu'a dit Nicolas Sarkozy? C'est qu'avec lui, papa, mon gars, l'autorité, tu vas voir, ça va revenir. L'autorité, quelle autorité? C'est ça, c'est cette autorité, on vient de la voir. Elle a assassiné un père de famille. Nous, on ne veut pas de rétablissement de cette autorité. Justement, par rapport à ce que tu dis et par rapport à ce qui vient d'être dit, donc on a dit historiquement que la peine de mort avait été abolie en 81, au vu des constatations qu'on a faites, des victimes, etc. Elle est rétablie. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Dans les Pour faits, moi, dans les faits, la peine de mort est rétablie. C'est la guillotine qui a été abolie, en fait. Oui. Voilà. Et moi, j'aimerais qu'on appelle Aline Pochard. Alors, Aline Pochard, c'est la présidente du réseau Zéro Nucléaire. Pourquoi? Parce qu'il y a cette violence qui est quotidienne sur les gens. Parce que les citoyens français ne savent pas qu'ils sont empoisonnés quotidiennement, qu'ils payent très cher avec leurs impôts, parce que la compagnie Areva a volé tous les Français à concurrence, mais de centaines de millions d'euros. Et on a Aline Pochard, elle est devenue présidente du réseau Zéro Nucléaire, tout simplement parce qu'elle est une victime d'Areva et qu'elle vivait très mal à Tricastin. Et donc on va essayer de la joindre. Allô Aline? Tu m'entends là? Tu es en direct? Oui. Tu es en direct? On t'entend? On n'entend pas? Faut pas parler dans l'écouteur, faut parler devant le portable. Allô, tu m'entends? Dans le portable, faut mettre devant ta bouche. Allô, oui. Est-ce que tu peux parler? Nous avons les moyens de le faire parler. Non, mais il faut le mettre devant ta bouche. Est-ce que tu peux parler, Aline? Elle nous entend? Tu nous entends? Gravali. Allô? Non, elle est coupée là. Allô Aline? Alors. Oui, allô Aline, tu nous entends? Non, elle est plus là. Je crois qu'il n'y a pas de connexion. Non, non, elle est coupée de là. Hein. Ah, ça y est. Non, ça passe. Donc, on est en train d'essayer de rétablir la communication avec Aline Pochard. Allô, oui? Oui, allô Aline, est-ce que tu nous entends? Oui. Donc, excuse-nous, on a des petits problèmes techniques parce qu'en fait, on voulait te parler avec un téléphone qui est branché sur un haut-parleur Bluetooth de manière à faire partager cette communication avec tous les gens qui sont parmi nous. Excuse-nous. Hein. Non, mais c'est pas grave. Hein. Aline, toi, tu tes problèmes ont commencé sous la présidence de Sarkozy, enfin, sous la direction de la France par le CEA. Est-ce que tu peux nous en parler, nous parler de ces 5 dernières années sous François Hollande et le fait que pour toi, ça n'a strictement rien changé, si ce n'est que tu t'es éloigné du Tricastin et que donc ta santé s'est un petit peu améliorée? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez que je commence par quoi? C'est-à-dire par le fait qu'il y a eu des fuites à Bolène dans le Vaucluse? Bien sûr, nous parler des fuites à Bolène, comment tu as été obligé de fuir ta région natale et comment aujourd'hui, ta situation actuelle, voilà. Alors, c'est clair, c'est que j'ai eu d'abord des problèmes de santé, enfin, je suis pas la seule, hein, à avoir des problèmes de santé là-bas, à savoir que j'ai eu des informations, parce que comme je suis bolénoise, il s'est avéré que j'avais des amis d'enfance qui travaillaient au centre atomique de Pierrelatte, c'est-à-dire chez Areva, et c'est eux qui m'ont informé qu'il y avait des fuites, mais ils prévenaient leur famille uniquement. Alors c'était assez étonnant.
parce que sur le plan public, on n'en était pas informé. Hein. C'est-à-dire qu'ils avertissaient leur famille, etc., qu'il ne fallait pas sortir parce qu'il y avait des fuites. Alors bon, je ne savais pas trop quoi en penser, si ce n'est que, bon, on s'est rendu compte qu'il y avait un taux de cancer conséquent. Hein. Il y a un médecin qui a voulu alerter que suite à des fuites, etc., il a eu des problèmes. Et puis moi, petit à petit, ma santé en a pris un coup, ça s'est dégradé au bout de quelques années. Et il est vrai qu'on a dû prendre une décision. D'abord, les fuites après sont devenues publiques. Et enfin, on a reconnu un petit peu, mais au bout de pas mal de temps. Et là, c'était plus tenable parce que j'avais des problèmes de santé, je me dégradais de plus en plus. Et nous avons pris la décision donc de quitter le Vaucluse et de partir complètement. Et il est vrai que ça a été quand même assez long hein, pour me rétablir. J'ai mis quelques années avec des traitements. Et pour tout dire, ça va faire 4 ans. Et c'est la première année où je commence à me retrouver, retrouver mon autonomie, si vous voulez, parce que j'avais plus d'autonomie, enfin, j'avais très gros problèmes de santé, j'avais du mal à vivre dans le quotidien. Maintenant, il y a eu des dégâts énormes là-bas, parce que bon, ceux qui vivent encore dans le Vaucluse, malheureusement, il y a eu des dégâts, les biens immobiliers, ça a été une catastrophe. Ils ont perdu, moi je vois que j'ai perdu mon bien, 60% de mon bien. J'ai dû accepter de vendre dans ces conditions. Autrement, la plupart des gens, ça fait quelques années qu'ils n'arrivent plus à vendre. Les gens ne s'installent plus là-bas. On a de plus en plus de mal. Oui. Donc il y a une situation où les agents immobiliers, les médecins reconnaissent que le territoire est contaminé. Et par contre, l'État, lui, fait comme si de rien n'était. Alors, voilà, ce qui est très intéressant, c'est que, si vous voulez, il n'y a pratiquement plus d'agences immobilières là-bas. Hein. Ils ont commencé à fermer, c'est-à-dire que ne vendant plus, je faisais de la location. Et étant donné qu'il y avait plusieurs agences à Bolène et puis dans les environs, mais je parle de Bolène parce que je vivais à Bolène, elles ont commencé à fermer les unes après les autres. Ils ont dû retrouver, se réinstaller dans une autre fonction professionnelle puisque ça ne marchait plus. Et ils reconnaissaient, alors ce qui est terrible, c'est qu'ils savaient pertinemment que ça venait de là, mais en même temps, ils ne pouvaient pas le dire parce que s'ils arrivaient à vendre un bien, ce qui n'était pas le cas, il fallait surtout pas parler du nucléaire. Et les médecins, que voulez-vous qu'ils fassent d'ailleurs, mon médecin qui avait dénoncé a quitté le Vaucluse. Alors toi parce qu'il a eu pas mal d'années et on lui a donné ordre de se taire. Toi et ton mari, pour partir, vous avez été obligé de racheter une maison ailleurs. Vous avez pris un prêt relais auprès de BNP Paribas, qui est la banque qui finance tous les projets nucléaires, même les armes atomiques. Et en fin de compte, t'avais une dette de 200 000 euros. Le nazisme aussi. Oui, j'ai toujours. Alors, le fait est qu'il s'est passé que j'ai perdu mon bien. Je me suis retrouvée donc avec un pré-relais. Anne Lauvergeon est venue dans le Vaucluse. Alors ça a été, elle a mis tout le monde sur le carreau, hein, soyons clairs. Elle est venue même goûter, prendre de l'eau pour montrer, en disant surtout, on n'en mettait pas beaucoup, hein, pour montrer à la télé que soi-disant elle buvait de l'eau qui n'était pas irradiée. L'eau de la Gaffière, hein. où il y a eu 150 kilos d'uranium qui sont passés, des fluents uranifères qui sont passés dedans, quoi. Oui, mais ce qui est terrible, c'est qu'elle s'est engagée auprès de toute la région. En disant que bon, ben, pour concernant les biens immobiliers, parce qu'il faut pas oublier qu'il y avait quand même des gens qui ont fait pousser, enfin, qui faisaient du vin là-bas, hein, et puis pas loin du nucléaire. Donc, elle s'était engagée concernant les biens immobiliers, ben alors on n'en a plus entendu parler. Et comme tu connais un peu le problème, parce que tu sais très bien que j'ai envoyé des courriers à Anne Lauvergeon, je suis intervenue auprès de Sarkozy, on a fait tant bien que mal, on a essayé de... Mais c'était plus possible, parce que comme ma santé se dégradait et qu'on avait conscience qu'il ne se passait rien, parce qu'il y a les fermiers là-bas qui avaient des poules, c'est tout ce qu'ils recevaient de l'eau des viands uniquement, mais ils n'ont jamais été dédommagés. Moi, ensuite, j'ai pris un avocat, j'ai fait aussi un prêt pour prendre un avocat
Ça, c'était il y a encore 2 ans. J'ai voulu entreprendre toutes les démarches. Mais là, on m'a alerté un petit peu. Enfin, comment dirais-je, je risquais de me retrouver à payer des fortunes d'avocats. J'en étais à 4 000 ou 5 000 euros. Quand j'ai... Et finalement, on m'a fait comprendre que je ne gagnerais pas. C'est le pot de fer contre le... Voilà. Hein. Que ça ne servait à rien d'entreprendre toutes ces démarches. Donc, j'ai arrêté là. Eh ben, je te remercie, Aline, de ton témoignage, parce que c'est très important que les Français comprennent qu'ils sont otages de tout un système et qu'en France, le CEA est un État dans l'État. C'est-à-dire qu'ils sont au-dessus même des gouvernements, des premiers ministres, des présidents, parce que les présidents changent, mais leur politique reste. Eh bien, je te remercie, Aline. Alors, il y a quand même une chose importante qu'il faut dire aussi. Hein, il faut savoir que ceux qui travaillent au centre, enfin, chez Areva, on leur donne ordre de se taire, sinon ils sont licenciés. Hein. Et oui, il y a l'Omerta, bien sûr, qui est entretenue. À le dire, parce que ce sont des amis d'enfance, hein, donc dans leur famille, ils sont plusieurs à travailler chez Areva. Hein, donc, ils sont... Parfois, là, j'ai une amie d'enfance, il y a son mari, il y a son beau-frère, etc. Lorsque je me suis battue, ils me soutenaient, hein, d'ailleurs, parce qu'ils étaient contents. Enfin, il y a quelqu'un qui parle tout haut, tout fort. Et malheureusement, il s'est avéré qu'ils ont reçu ordre qu'ils allaient être licenciés s'ils venaient, voilà. Donc, en fait, c'est l'omerta complet. Mon ami, le médecin qui, lui, a dénoncé les cancers, parce que, par contre, il a fait une étude, lui, hein, il a dénoncé les cancers, il a dénoncé pas mal de choses, il a quitté Bolène parce que je crois qu'il était sur le point de se faire enlever sa licence. Et d'autres médecins lui sont tombés dessus à bras raccourcis aussi, hein, faut le savoir. Et donc à Bolène, la maire est toujours d'extrême droite, Ligue du Sud, c'est toujours ouais. Madame Bompard. Oui, oui, elle est toujours en poste. Quelles sont les préférences politiques locales du CEA? C'est toujours très intéressant que les gens le sachent. Oui, effectivement, le Front National est réellement pro-nucléaire et n'a strictement rien à foutre de la santé des Français. C'est avéré. Absolument, absolument. Il faut savoir que la mère a été dédommagée. Elle a presque, enfin, elle ne le dit pas, mais elle a des intérêts là-dedans. Il faut le savoir quand même. Hein. Je te remercie, Aline. Et puis, on réclame toujours le million d'euros de parachute doré de Dan Lauvergeon, parce que c'est quand même scandaleux. C'est qu'avec son conjoint, ils sont poursuivis sur l'affaire Uramine. C'est-à-dire que ce sont des voleurs patentés et des criminels. Et pourtant, elle a toujours par-devers elle 1 million d'euros que les contribuables français lui ont octroyé comme parachute doré. Ben, je te remercie. Mais oui, il faut savoir aussi qu'elle est soutenue par Hollande. Ah oui, bah ça n'avait échappé elle à personne. Elle a été soutenue par Hollande tout de suite après, et pourtant j'avais dénoncé pas mal de choses là aussi, et on avait du mal à me croire, et aujourd'hui on est en train de se rendre compte que ce que je disais haut et fort et qu'on essayait de me faire taire, eh bien c'est avéré juste. Eh bien, je te remercie, on va continuer cette vérité, on va continuer à en parler, à la diffuser. Eh bien, je te remercie. Allez, d'accord. Et à bientôt, Aline. Au revoir. À bientôt, merci, au revoir. Merci, Aline. Voilà, moi je suis à faire bien sûr un témoignage aussi de l'actualité que je regarde, voilà, je m'informe tous les matins, je regarde le journal, hein, et ben les actualités encore une fois ne sont pas bonnes. Donc moi ça me choque, et bien sûr que voilà, c'est pour répondre aux échanges que j'ai avec mes amis. Bien sûr que je suis concernée, tout le monde est concerné en tant que citoyenne du monde, hein, quand quelqu'un subit de l'injustice, eh bien sûr que moi je m'insurgerai toujours. Et donc oui, j'ai participé à l'hommage à Monsieur Liu, bien sûr. Et donc je tiens à donner à sa famille toutes mes condoléances les plus sincères. Donc voilà, ça me touche et bien sûr que je me sens concernée. Je souhaite aussi être solidaire à la Guyane qui subit actuellement... Qui se lève. Oui, qui se lève après avoir subi maintes et maintes, depuis plusieurs temps, là. Maintenant, ils sont sur une île, qu'est-ce que tu veux?
de l'impérialisme, ouais, bien sûr. C'est pas fini, hein, l'histoire des colons. Voilà, quoi. Là, c'est les enfants des colons qui se permettent d'abuser du territoire de la Guyane. Donc, Solidaire, un département français, hein, tout autant que la Bretagne ou l'Indre-et-Loire ou les Pays de Loire. Voilà, donc. Très près de l'Amazonie. S'il faut une révolution de nouveau, eh ben oui. Voilà, bien sûr que. Et donc, s'il faut que la Guyane, moi, après mes discussions avec mes amis, eh ben voilà, si la Guyane doit se séparer de la France, eh ben pourquoi pas, voilà, Guyane Zix. Elle l'a oublié. Oui, mais on leur devra beaucoup, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que l'or volé en Guyane, parce que moi, ce que je sais, c'est qu'il y a des orpailleurs illégaux, mais la France avait signé des contrats avec des miniers canadiens, donc c'est l'extractivisme, et quand ils ont récupéré l'or des Garenteros, donc des gens qui pillaient illégalement l'or de Guyane, il était prévu que cet or serait donné aux associations qui s'occupent des autochtones, et en fin de compte, il a été rapatrié à la Banque de France. Donc on voit bien la manière dont l'État français pratique. Et là-dessus, je vais laisser la parole de fin à Asna, parce qu'elle n'a rien dit. Elle a été obligée d'annuler par manque de participation la gratiféria qui était prévue le 1er avril, place de la République. Donc Asna, je te laisse la fin, le dernier mot. Oui, le mot de la fin, voilà. Quoi. Tant qu'il n'y a pas de justice, moi je dirais pas de justice, pas de vote. C'est oui, mon dernier mot. Pas de justice, pas de vote. Moi, j'étais en train de lire un article sur Paris Lutte Info et je suis trop d'accord avec ça. C'est au sujet de Monsieur Liu et la famille qui appelle au calme. Comme par hasard, toutes les familles appellent au calme. Hein. On subodore les pressions derrière, de toute façon. Non, mais il faut la violence aussi. Moi, je dis, on subordonne les élections. Bon. Et alors, sur Paris Lutte Info, justement, il est dit des choses là-dessus. Quand on appelle au calme, eux continuent à tuer. Donc, on change de stratégie. Aux mains de l'individu, ça c'est une citation, la force s'appelle crime, aux mains de l'État, la force s'appelle droit. Et sinon, pour la faire courte, appeler au calme quand règne l'agitation de l'injustice, quel paradoxe. Le calme, celui qui relaie à outrance les médias, le calme face à l'oppression, le silence de la soumission, laisser faire la justice, laisser faire la police des polices, ces structures puent la corruption. Et les conflits d'intérêts, les décisions injustes de ces institutions ne manquent pas pour nous exporter notre passion de justice et de l'équité d'autres lieux et d'autres horizons. La police souhaite continuer à noyer les vies sans vagues ni agitation de l'eau. L'uniforme vous tue, ne tuez pas l'uniforme. Par contre, vous tuez l'uniforme vous tue. Obéissez à la loi, dispersez-vous. Non, on n'appelle pas au calme. La non-violence n'est pas le calme. La non-violence, elle dit « ouvre ta gueule ». Et si tu dois finir, finis la gueule ouverte. Et donc, il faut une non-violence active et il faut une insurrection des consciences. La non-violence, si quand il n'y a plus de discussion, on n'est pas là pour tendre l'autre joue. Oui, bravo. Eh bien, c'est comme ça que se termine la 10e émission de Radio Radar, merci, la radio anarchiste diffusée à République. Merci à tous les participants. Merci, monsieur.